Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite prospection sous chaîne. Et là, petite surprise, je trouve quelques girolles. On va se retrouver après le générique et on va se les défaire tranquillement. Donc allez, c'est parti. Hop. Là, il y en a d'autres. Magnifique. Là aussi. Allez, celle-ci. Hop. Là, on va remonter ici. Dans l'herbe. Sympathique, hein? On va pouvoir la défaire, ça. Ouais, c'est bon. Elle n'est pas trop cassée. Ce qui fait quand même une belle petite grappe. Bon, ben au passage, autre surprise. Un champignon qui est aussi bon, c'est la coulmelle. Donc là, j'en ai un bel exemplaire. Donc là, en voilà déjà une. Ici, j'en ai une deuxième. Bon, celle-là, je l'aime pas trop. Hop, reproduction. Elle est un peu tachée. On va la poser, celle-là. Ici, j'en ai encore une. Qui est pas trop mal. Et là, on a une petite famille. Sympathique. Donc là, on a 5 coulmelles d'une belle taille. Alors, je vous rappelle, c'est un bon comestible. Et il n'y a que le chapeau qui se mange. Et ça a un goût un peu de viande. Et là, je suis monté un tout petit peu plus haut que là où j'étais. Et franchement, il y a encore une belle famille de coulmelles. Donc là, hop. Celle-ci, hop là. Elle n'est pas où celle-là? Et j'en ai vu encore une ici. Une toute petite. Donc là encore 2-3. Et je regarde vite fait comme ça. S'il n'y en a pas d'autres. Mais ça commence à être intéressant, on m'entend un tout petit peu. Franchement, aujourd'hui, je suis tombé sur le royaume de la coulmelle. Là, j'en vois encore deux magnifiques. Donc je vais essayer de me mettre sous les arbres sans me faire mal. Hop là. Celle-là, elle est magnifique. Celle-ci, oh, j'ai les branches dans la tête. Sympathique. Hop, on va essayer de pas les casser. Et là, elle est où? J'en ai vu une belle. Celle-ci, on va les laisser là. Tranquille. Oula, oula. Elle roule. Alors,
qu'est-ce qu'on voit ici? Une magnifique. En même temps, je regarde si je vois pas autre chose. Ah ben, regardez. Bon, je peux pas zoomer parce que j'ai pas un gros zoom là-dessus. Mais là, j'en ai une et un peu plus loin. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà ramasser celle-ci. Hop là. Ouais, celle-là, je l'aime pas trop. Il y en a encore une en dessous là. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va s'enfoncer, tant pis. Ah ouais, mais il y en a un paquet ici. Regardez, là il y en a une petite ici, là il y en a encore une, et là il y en a deux, plus une là-bas. Ah ouais, je suis tombé à l'endroit où ça pullule ici. Alors ici, ça a l'air d'être facile d'accès. Hop là. On va aller voir ça. Ça m'a l'air bien en plus. Celle-là est pas mal. Après. Hop. On va la poser. On va y aller tranquillement. Hop là. Celle-là est un peu vieille. On va la laisser. Celle-ci, avec un peu de chance, j'arrive à l'attraper. Hop. Pas mal. Bon, je me suis retrouvé un peu encerclé. Hop là. Là, celle-ci, elles sont plus dures d'accès. On va les laisser. Ça sert à rien de se blesser. Hop là. Encore 4 belles. Plus celle que j'ai laissée parce que je voulais pas me faire mal. Sympa. Et celle-ci, cette petite girole, elle est pas belle. Quoi, petite, c'est relatif. Dans les cailloux. Magnifique, hein? Ça serait dommage de la laisser, celle-là. Et là, je trouve un autre champignon aussi, bien dans la mousse, c'est la chanterelle. On en a quelques-unes. Là, je vais en défaire. La chanterelle jaunissante. Très bon comestible. Elle est aussi bonne que la chanterelle en tube. Celle-là, elle pousse sous pin, par exemple. Que celle en tube, elle pousse sous sapin. D'ailleurs, je vais arrêter ma petite cueillette avec ces quelques magnifiques chanterelles qui commencent à peine à sortir. Donc, merci à la pluie qui est tombée il n'y a pas longtemps et qui va certainement retomber d'ailleurs cette semaine. Donc là, je prends dans les plus grosses, histoire de faire un beau tapis pour finir sur ma vidéo. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt en forêt. Ciao, ciao!